Bonjour à tous et bienvenue sur l'actu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clémentine Vergniaud, la journaliste atteinte d'un cancer et morte à 31 ans. Journaliste à France Info et à la Radio France, Clémentine Vergniaud est décédée ce samedi 23 décembre des suites d'un cancer des voies biliaires. Elle était âgée de 31 ans. La réaction de France Info a rendu un vibrant hommage à sa consœur qui a combattu la maladie pendant plus d'un an et demi avec courage. Jean-Philippe Baille, le directeur de France Info, a déclaré jusqu'au dernier moment. Clémentine n'a pas voulu céder à la fatalité. Son exemple restera en nous, son sourire gravé à jamais. Clémentine Vergniaud avait décidé de mettre des mots sur le mal dont elle souffrait pour aider d'autres malades. À ce titre, elle avait créé le podcast « Ma vie face au cancer », le journal de Clémentine, qu'elle présentait avec Samuel Alzanov. Dans celui-ci, elle faisait part de ses doutes, de ses questionnements face à la maladie. Engagée dans cette cause, elle avait affirmé « Je veux laisser une trace », a apporté France Info. La journaliste souhaitait en outre profiter des moments dorés, comme elle les appelait, qui lui restaient à vivre. Elle avait d'ailleurs déclaré « La fin, elle est connue ». Il n'y a pas d'autre mystère, mais il y a tout ce qui va y mener. Et je n'ai pas envie de gâcher ces moments. Aucun de ces moments, ont précisé un magazine. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rester informés des dernières actus. À bientôt sur l'actu.